qu'est-ce que je pense du salon? Très pratique, parce que je suis parisien, donc c'est vraiment très pratique. Enfin, pour moi, c'est toujours important d'être dans un salon, parce qu'en fait, tu passes tellement de temps à faire le lit, à travailler avec les commerciaux, machin, que tout d'un coup, il y a un moment, tu perds le contact avec le lecteur, qui est le contact avec le lecteur direct, tu vois. Les rencontres avec le public, pour moi, c'est toujours merveilleuse, parce que j'aime beaucoup toute l'opportunité que j'ai de parler avec des personnes que je n'ai jamais rencontrées. Il faut quand même avoir une vague idée que les livres ont une vie, voilà, et que cette vie, elle est connectée à des gens. Et c'est bien de ne pas l'oublier. C'est vraiment sur le festival qu'on rencontre le public, et c'est là où on a fait nos premières armes en plus, donc c'est très important, oui. La plupart des gens ne nous connaissent pas en librairie, de toute façon, donc c'est vraiment sur le festival qu'ils nous connaissent, quoi. Le plus important pour moi, c'est travailler la communication entre l'auteur et le lecteur. Et chaque fois que je peux démontrer sa communication personnellement, c'est incroyable. C'est un moment magique pour moi. Alors moi, j'adore aller au Festival de bande dessinée en général, déjà. Et spécialement ceux qui sont centrés sur la bande dessinée indépendante. C'est vraiment un festival où se retrouve à la fois un langage de divertissement facile et aussi des démarches plus exigeantes, quelque chose de très populaire, quelque chose de très patrimonial. J'aime bien le Saut BD parce que à la fois c'est un truc cohérent, on va dire, dans la production, dans ce qui est présenté. Et puis même moi, de temps en temps, je vais faire un tour et je vais acheter des bouquins chez les autres, c'est l'occasion de voir les copains. Et en même temps, c'est aussi un salon qui est ouvert sur la rue, dans lequel les gens rentrent et viennent voir ce qui se passe. Et ça, c'est cool parce que de temps en temps, tu n'as pas que des fans de BD indépendantes qui sont des fans. Et du coup, tu peux rien leur apprendre parce qu'ils connaissent déjà tout, ils ont déjà vu, ça leur a déjà plu ou déjà pas plu. Et donc, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas une bête de festival, mais ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est ce dialogue entre une bande dessinée d'auteur, et non pas commerciale, et ce travail sur la réflexion et la production. Ça, pour moi, c'est unique. C'est vraiment très riche. Et quand je vois tous les ateliers proposés ici, c'est étonnant. Je sens que ce qui se passe ici à Saut BD a un sens et peut jouer un rôle important parce qu'on est aujourd'hui avec un objet, la bande dessinée, qui a depuis de longues années déjà conquis une forme de légitimité et qu'on est en train de passer à un stade où ça devient intéressant pour plusieurs générations de porter un regard rétrospectif et d'étudier ce qu'est ce monde-là. Ce regard-là, il a un sens et je crois que ce qui se passe ici, dans ce salon, bah, ça participe de ça et donc c'est important que ça perdure. Des gens qui se bataillent pour le livre, qui croient encore à du papier ou qui rêvent de pourquoi pas d'être un grand éditeur plus tard, hein, mais qui ose publier des trucs souvent que quand tu regardes, tu dis mais c'est impubliable ça, mon petit. Eh bien, d'être le parrain de cela, je veux bien. Hein, puisque j'ai commencé comme eux, j'étais dans la même situation.